Porsche, en fait, il y a trois disciplines, puisqu'il y a le LMP1 avec le retour en force en 2014 de Porsche qui a fait, on va dire, une brillante saison avec. Ils nous ont fait rêver au Mans, où ils ont échoué à 2 heures de l'arrivée. Ils ont gagné la dernière course à Sao Paulo, donc c'est de bon augure pour 2015 avec des pilotes, notamment un pilote français, Romain Dumas, qu'on connaît très bien au Centre Porsche de Nantes. Après, il y a deux autres disciplines en France qui nous importent particulièrement, la Carac et le Club Motorsport. Les centres Porsche de Nanterre sont impliqués en Carac depuis, on va dire depuis toujours. Porsche pousse les centres Porsche à être dans cette discipline. Alors, on a au centre Porsche Nanterre une particularité, c'est qu'on soutient un team local Racing Technologies avec 4 voitures engagées en Carrera Cup et 4 engagées en Club Motorsport. Là on a une catégorie plus de gentlemen, on va dire c'est la deuxième division de la Carrera Cup. Il y a plusieurs intérêts d'avoir une image et être reconnu dans le monde de la course, ça c'est quelque chose qui nous importe. Et puis deux, c'est l'implication des centres Porsche, parce qu'en fait on est avant tout des passionnés de sport automobile. Et moi-même je participe au Motorsport et cette année j'ai fait la Carrera Cup au Mans en ouverture des 24 heures du Mans. L'objectif c'est de refaire briller les couleurs des centres Porsche Nanterre en 2015. Avec avant tout la Carrera Cup, où on sait qu'il y aura 4 voitures engagées avec Racing Technologies. On n'a pas encore le nom des pilotes, c'est un peu tôt dans la saison, on va savoir ça dans quelques jours. La seule certitude qu'on ait aujourd'hui, c'est en championnat B, Christophe Hamon portera nos couleurs et j'espère gagnera le titre championnat B en Carrera Cup. Pour le Motorsport, mais on va repartir à peu près dans la même configuration avec 4 voitures. Et là on est passé tout près du titre l'an dernier. Je pense que cette année on va essayer d'aller chercher le titre. Là moi je roulerai un titre perso dans cette catégorie. Et bien évidemment le soutien et on regardera de très près Romain Dumas au 24 heures de Mans sur la LMP1 et j'espère que cette année il ira chercher la victoire.